squat des artistes, 13h-20h. Cet immeuble appartient à la ville de Paris. Et là, ici, chez Robert, électron libre, artiste squatteur. Moi, je l'ai connu avant qu'il le refasse. Ça avait rien à voir, mais là, c'est tout refait. Ah, c'est tout refait, homologué, sécurisé. Au 59 rue de Rivoli. Le squat des artistes, voilà. C'est à visiter. C'est au panier, si vous donnez ce que vous voulez. Pour un YouTube. Ah, ouais. Là, et la Samaritaine. En travaux depuis des années. Voilà, CA a dit je vais pas payer plus cher de loyer. Ils se sont cassés, c'est resté fermé des années. Ah, ça a dû se revendre pour pas cher. Hein. Et la Samaritaine, voilà, bah j'avais pas vu. Ils ont refait là. Ah, on dirait que c'est ouvert d'un côté. Bah, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une horreur vitrée là. Ah, dans la mocheté, il n'y a pas mieux. Mais. Moderne, tout vitré. À côté de la Samaritaine. Ah bah ouais, d'accord, c'est... Ouais, quand on est de l'autre côté, c'est confus. Il me semble que c'est confus là-bas. La route a rétréci. Ça, c'est la voie des vélos. C'est large comme une route. La voie des vélos. Ah bah, il n'y a plus de bagnole. Hein. Et du coup, les voitures ont perdu une rue. Ah bah, plus normalement, il y a un truc de bus. Ah oui, il y a la voie de bus. Donc du coup, en fait, il n'y a qu'une... Il n'y a qu'une voie en fait. Moi j'ai connu, il y avait trois voies là. Donc celle de gauche. Là, enfin il y avait trois voies. Il y avait une voie de bus qui n'était pas trop large. Après c'est fait élargir. Et du coup, voilà, ça devient incirculable. Les habitants ils déménagent. Ils veulent plus habiter à Paris. Quoi. C'est un truc de fou. Il y a un collectif de commerçants qui n'en peut plus. Supermarché de la salade bar sandwich et le Louvre. Hein. Ah, je me dis, ça pue. Alors, il a mis sa clope dans la poubelle, quoi. On voit pas. C'est le brasier. Ah, bah voilà, pour une fois, ça sert à quelque chose. Au moins, aux trottinettes, ils savent où rouler. Hein. Ah, c'est pour les vélos. Hein, les vélos. Le Louvre avec barricade. Ah, il y a des travaux apparemment. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer, franchement. Ça a été retapé dans les années 80-90, le Louvre, mais à quoi ça sert? Ils doivent faire une ligne de métro, c'est pas possible. Voilà. On n'aurait pas vu ça il y a 10 ans. Maintenant, il y a des vélos à contresens sur la route. Tiens, même le bus, il est à contresens. Ah ouais, c'est nouveau ça. Avant on pouvait rouler dans... Bah, comme les voitures, hein. Maintenant t'as le bus qui passe dans l'autre sens. Là, bah, faut faire gaffe. Hein. Moi qui suis pas venu depuis longtemps là. Ah, du barbelé devant le Louvre. Faut pas rentrer, hein. Pas rentrer, pas sortir, mais ça se voit pas bien là. Voilà, un ancien quartier. Mes anciens quartiers sont là. Depuis le massacre des Twin Towers, les antiquaires, tout ça, ils ont tous disparu, tout fermé. Ah, depuis 2000 ans, là. Louvre Saint-Honoré. Ah, tout est fermé, il y avait des antiquaires toutes sortes. Les Américains venaient plus en France pour acheter quoi que ce soit, ils ont tous fait faillite, fait, etc. Ah, le Louvre des antiquaires, mais... Bon, enfin, je sais pas, c'est plus ce que c'était. De toute façon, il n'y a aucune vitrine. Il n'y a rien visible de l'extérieur, donc déjà... La place du Palais Royal.
Et la pyramide de Louvre. Et les vendeurs de marrons. Les marrons de l'Ardèche. Les voitures passaient là, mais ça doit plus passer. Hein. Voilà. Nocturne visite gratuite du Louvre. Le phare de la Tour Eiffel. Taxi bye bye. Okay, l'autre il a un vélo. Un œil qui arrive. Ça, la mise au point se fait pas. Hein. Le pouce, tuk-tuk mortel. Qui est François Mitterrand. Ah, ça va être l'Exxon, hein, ça y va à fond. Ça arrête pas. Oh, il n'y a pas d'habitants au-dessus. Bon, du carrousel. Il y en a un autre. Bon, il nous parle de pollution. Un bateau, trois bateaux qui se croisent. Western. Voilà, on est pris dans le chassé-croisé des triporteurs. Embouteillage de triporteurs.
La frégate. Frégate fluviale. Pas que ça, dans le pont. Quelqu'un. Ah, c'est des poubelles, il y en a partout. Bateau bouche bleue, caméra de sécurité, 5 têtes. Ils ont mis le paquet, on dirait une verrue. Oh putain, c'est quoi ça? Ah bah ouais, on en prend plein la tête, merci. Hein. Ah, ils sont pas assez OLED. Alors, vous avez le musée Quai d'Orsay, ou je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est le Paris-Orléans. C'est une gare qui est devenue un musée. Je crois qu'elle n'a jamais fonctionné en tant que gare. Je sais pas. Il commence à flotter.